Bonjour, good morning, welcome. Day three of what's become a very wonderful conference. Thank you all for being here and participating and contributing to a very engaging couple of first days. I'm Paul Stacey, the Executive Director of Open Education Global and co-host with the University of Nantes of this conference. It's my great delight to welcome you to day three after another wonderful social evening last night. Thank you for our hosts helping make that happen. The first 2 days were very interesting keynotes with the first person speaking about open in the context of outer space, something we don't often talk about in the open education community. And then yesterday, after Cian Proctor's day one keynote, we heard from Andrea Rose, who ran to be president of Ecuador. And it was wonderful to hear from someone who's a politician and can articulate the value of open and how it might be implemented politically and strategically within a national framework. And it's wonderful to today move from outer space to a national effort around open education to an institutional effort, which is equally as challenging as the other two. And so it's my great privilege to welcome Karine Bernal and her team from the University of Nantes to talk to us in this third keynote about how open is being implemented strategically here at Nantes University. And I expect this will be highly relevant to many of you at your respective institutions. Karine is a lawyer, and her research in the past has been about open access. She held a number of positions here at the university before declaring interest herself in becoming president of the university, and here in France, the president would be the equivalent of a rector or a chancellor at other universities. In her program and interest in her expression of interest in being president, she declared open education and open education resources as a landmark and goal of her mandate as president of the university. She's brought with her team, and I look forward to hearing all of your various perspectives on how this can be implemented at an institutional level. And lastly, many of you know me from the past as having worn red Converse All-Stars all the time, and last month when I was here on a site visit and was invited to visit Karine in her office, I just delighted in seeing that she too wears Converse All-Stars. So welcome Karine and team, please, over to you. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous avez compris effectivement qu'il s'agit bien d'une intervention collective avec quelques collègues de Nantes Université que je veux vraiment remercier. Je vais vous les présenter évidemment au fil de cette intervention. Alors, ce matin, enfin, Paul a un peu rappelé ce qui s'est passé les jours précédents sur les deux keynotes précédentes. Vous vous demandez sans doute assez légitimement ce que vient faire une présidente d'université. Après une astronaute et après un ministre, quand même, la succession est un peu rude. La question est assez légitime, alors je laisserai Paul s'expliquer déjà un peu sur ce choix. Moi, ce que je peux vous dire, c'est à quel point je suis vraiment ravie d'être devant vous ce matin avec nos collègues pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'ouverture de l'accès à la connaissance au sens le plus large. Alors, c'est presque un lieu commun, c'en est sans doute un, de dire que l'accès à la connaissance, c'est une des clés de transformation de la société. Alors oui, c'est un lieu commun et en même temps, c'est sans doute un lieu commun qui a besoin d'être rappelé, répéter, réaffirmer. En tout cas, c'est une conviction profonde et effectivement, comme Paul l'a dit, c'est un des éléments, un des arguments qui m'a conduit à devenir présidente de Nantes Université aujourd'hui, à vouloir faire en tout cas de notre université une université ouverte. On va avoir l'occasion évidemment d'y revenir et c'est aussi la raison pour laquelle, vous en doutez, on est si heureux d'accueillir Open Education Global à Nantes depuis lundi. Alors, ce choix politique, donc, de placer l'accès à la connaissance au cœur d'un projet politique pour Nantes Université, on va y revenir, mais c'est d'abord, et Paul l'a évoqué rapidement, c'est d'abord le résultat de mon parcours personnel, en fait. Il se trouve, effectivement, que je suis juriste, je suis prof de droit, je suis spécialiste de droit d'auteur. Et lorsque j'ai commencé ma carrière d'enseignante-chercheuse, assez naturellement, j'ai reproduit les pratiques de mes aînés, c'est-à-dire j'ai commencé à publier des articles dans les revues juridiques sans me poser aucune question à l'époque. Et puis quelques années plus tard, je suis tombée
honnêtement, par hasard, au fil d'une lecture, sur le terme open access. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc, j'ai commencé un peu à creuser le sujet sous l'angle juridique, évidemment, tropisme, et donc en lien notamment avec la pratique des contrats d'édition, avec le recours aux contrats d'édition. Il faut savoir qu'en France, il y a, alors ça remonte à un peu plus de 10 ans maintenant, il n'y avait quasiment aucune publication juridique consacrée à cette question de l'accès ouvert, de l'ouverture de la connaissance. Et dans ma discipline, plus particulièrement, c'est une question qui était inconnue de la plupart des collègues. Donc, je me suis plongée dans le sujet, vous avez compris, pour en explorer les conséquences juridiques. Donc, autrement dit, ça a d'abord été un objet de recherche, finalement, pour moi, cette question-là. Il se trouve, par ailleurs, que je m'intéressais déjà, à ce moment-là, aux logiciels libres, aux licences Creative Commons, et donc, d'une certaine façon, à la philosophie qui sous-tend l'accès ouvert, qui m'était pas inconnue, et qui est particulièrement intéressante quand on fait du droit d'auteur, parce qu'elle questionne l'usage qu'on fait du droit d'auteur. Moi, ce que je disais souvent à mes étudiantes et à mes étudiants, quand j'en avais, c'était que le droit d'auteur, finalement, c'est ce que l'auteur en fait. C'est-à-dire que le droit d'auteur, il permet aussi bien d'interdire l'usage d'une œuvre que de l'autoriser. Alors, c'est vrai qu'historiquement, le droit d'auteur, depuis longtemps, a été utilisé plutôt pour interdire des usages. Mais depuis quelques années, on a vu une inversion et de plus en plus de situations où on se servait du droit d'auteur pour autoriser largement l'usage des œuvres. Et donc, ce mouvement que vous connaissez bien pour faciliter ce partage, évidemment, quand on est juriste et spécialiste de ces questions-là, il est assez passionnant. Mais alors évidemment, très vite, et vous allez voir ce qui me conduit aujourd'hui devant vous avec mes collègues, très vite ce travail de recherche, il m'a forcément conduit à interroger mes propres pratiques en tant que chercheuse. Et donc d'abord, j'ai découvert les archives ouvertes. Archives ouvertes qui donnaient accès à des publications scientifiques du monde entier, gratuitement. Donc évidemment, enfin, je pense qu'on est un certain nombre à être passés par là, c'est une aubaine, c'est une mine, on s'y plonge et c'est... C'est un régal, mais presque aussi vite, dans ma discipline en tout cas, j'ai constaté que la plupart des articles qui étaient accessibles étaient en langue anglaise et la plupart étaient issus de collègues, de chercheurs d'universités nord-américaines. Alors, c'était génial parce que moi, je n'y avais pas accès avant, donc c'était formidable. Et en même temps, forcément, ça a interrogé notre capacité à faire exister d'autres langues, d'autres modes de pensée, donc, d'une certaine façon, d'autres cultures. Et parallèlement, j'ai eu des échanges, je travaillais beaucoup avec l'Afrique francophone à l'époque, toujours un peu, et j'avais des échanges avec des collègues, avec des doctorants d'Afrique francophone, tous juristes, qui ont renforcé ces questionnements. C'est-à-dire que tout simplement, certains m'ont interpellé en me disant « Mais elle est où la recherche française ? Où sont les articles français sur les archives ouvertes ?» Et il n'y en avait quasiment pas à l'époque. Alors, je précise tout de suite que ce propos, il concerne une discipline juridique. Heureusement que d'autres collègues dans d'autres domaines en France, publiait déjà et diffusait déjà sur les archives ouvertes. En droit, ce n'était pas le cas. Et donc, évidemment, parallèlement à tout ça, j'ai pris conscience de ce fameux paradoxe que vous connaissez tous, que l'argent public finance deux fois la recherche. Il finance la recherche elle-même et il finance l'accès aux résultats de ces recherches, aux articles, en payant les abonnements aux revues. Et donc, forcément, dans une logique de service public, je vais y revenir, c'est quelque chose qui interroge. Et donc, dans ce contexte, j'ai commencé à chercher à faire évoluer là mes pratiques de chercheur dans l'accès à mes publications. Et donc, pour chaque article, pour chaque ouvrage, les éditeurs me proposaient des contrats qui prévoyaient, comme à tous mes collègues, que je devais leur céder l'intégralité de mes droits d'auteur pour toute leur durée. En France, je rappelle que c'est toute la vie de l'auteur plus 70 ans, ce qui est quand même assez long. Et donc, en gros, l'option, c'était refuser ou accepter. Pas de marge de négociation. Et donc, en cas de refus, c'était diffuser les articles directement en ligne, gratuitement, certes, mais avec un lectorat forcément très réduit, compte tenu des pratiques de ma discipline. Donc le choix que j'ai fait à l'époque, qui est certainement très discutable, on y reviendra peut-être, c'était de continuer à publier dans ces revues, mais en parlant de l'accès ouvert, en parlant de l'accès à la connaissance, en parlant de l'open access, pour faire exister ce sujet. Au même moment, heureusement, le gouvernement français a commencé à s'emparer de la question. Ce qui a conduit à un texte qui est vraiment important en France sur ces sujets-là, c'est la loi pour une république numérique, adoptée en 2016, qui comporte un article qui permet à tous les chercheurs de diffuser leur article dans une archive ouverte 6 à 12 mois après la publication dans une revue, quel que soit le contenu du contrat d'édition. Le plan juridique, c'est une disposition qui est évidemment
très intéressante. Donc vous en doutez, je m'en suis emparée pour mes propres publications, mais l'impact quand même restait assez limité. Et il se trouve qu'à cette époque, je dirigeais un des laboratoires de recherche de l'université, l'Institut de recherche en droit privé. Et donc, dans ma position de directrice du laboratoire, j'ai tenté, avec l'appui de notre service commun de documentation déjà, de sensibiliser mes collègues à ces questions-là. Notamment, j'avais créé à l'époque une collection du laboratoire dans l'archive ouverte HAL, l'archive ouverte française, hyper article en ligne. Alors, ce n'était pas simple du tout, on partait de très loin, vous l'avez compris. Alors, mes collègues voilà, étaient sympas, bienveillants, ils écoutaient ce que je leur racontais, mais les effets ont été quand même assez réduits. Ce qui est apparu tout de suite, dès que j'ai commencé à vouloir parler du sujet à mes collègues, c'est que l'enjeu, il était avant tout pédagogique sur cette question-là. La science ouverte, c'est la même chose pour l'éducation ouverte au sens large, elle bouleverse des habitudes, des usages. Et donc, il fallait prendre le temps d'expliquer pourquoi, comment on pouvait contribuer à la science ouverte. Par ailleurs, autre aussi prise de conscience d'une certaine façon à cette époque-là, vous avez compris que je m'adressais que à des juristes dans ce laboratoire, et pourtant j'ai pu mesurer la difficulté pour des non-spécialistes de droit d'auteur de véritablement comprendre les licences Creative Commons, de comprendre leur contenu, leur sens, les différentes options proposées, et donc de faire un choix éclairé pour associer une licence aux ressources qui étaient mises en ligne. Donc là aussi, beaucoup de travail de pédagogie, même avec les juristes. Et puis l'autre difficulté qui était apparue très vite, et qui fait partie des sujets qu'on a toujours à travailler, c'est la question du temps. Le temps à consacrer à l'enregistrement des données sur l'archive ouverte, au dépôt des fichiers, on y reviendra. Quand je dis le temps, vous avez bien compris qu'en réalité, je parle du manque de temps. Bref, à l'époque, j'espère avoir pu semer quelques petites graines dans l'esprit de quelques collègues, mais là aussi, les résultats ont été assez minimes. Et donc, finalement, dès cette époque, ce qui semblait assez évident, c'est que, véritablement, pour changer la donne sur ces sujets-là, il fallait que le sujet soit porté au niveau, évidemment, idéalement, national, ou au minimum local, mais à l'échelle de tout l'établissement, et donc de toute l'université. Et puis il se trouve que quelques années plus tard, par un concours de circonstances que je vous épargne, je me suis trouvée en situation d'être candidate à la présidence de l'université. Ce n'était pas prévu, et donc je me suis demandé évidemment pourquoi, diable, j'irais m'embarquer dans une telle aventure. Et parmi les arguments qui ont compté, qui ont pesé dans ma décision de me porter candidate, figurait la possibilité de porter une politique d'ouverture de l'accès à la connaissance. D'une manière générale, donc sans me limiter aux publications scientifiques, même si vous avez bien compris que sur ces sujets-là, c'est par là finalement que j'ai fait en quelque sorte mon apprentissage ou que j'ai eu cette prise de conscience. Et donc, comme Paul le disait en introduction, effectivement, c'est un des axes du projet qu'on porte avec l'équipe pour le service public de la connaissance. On a même inscrit en fait ces enjeux-là dans la définition du portefeuille de quelques vice-présidents. Arnaud Gevel, qui est là, il va prendre la parole tout à l'heure, il est vice-président formation et éducation ouverte. Olivier Grasset, alors il n'est pas avec nous ce matin, il est en déplacement, mais qui est notre vice-président recherche, un vice-président recherche et sciences ouvertes. Donc voilà, on a inscrit en quelque sorte, dès le départ, dans certains portefeuilles, ces enjeux-là qu'on voulait tous porter pour notre établissement. Et fondamentalement, ce sont les valeurs, en fait, qui sont portées par ce mouvement pour l'ouverture de l'accès à la connaissance qui ont motivé mon engagement et l'engagement de toute l'équipe. Favoriser la diffusion, le partage, la circulation des connaissances, les rendre accessibles à tous, sans condition, gratuitement. Pour moi, c'est le fondement du service public. C'est le fondement de ce que doit être et de ce que devrait être naturellement une université. Les connaissances créées grâce à de l'argent public doivent être gratuitement accessibles à tous. Quand on y réfléchit deux secondes, ça paraît assez fou d'avoir à le dire. Et pourtant, on en est là. Parce que les enjeux, ils sont multiples, et vous les connaissez aussi bien que moi. J'en ai évoqué finalement quelques-uns déjà, linguistiques, culturels. Là, il y a aussi la question du progrès scientifique, du progrès social, évidemment, qui sont en jeu. Et évidemment, sur tous ces sujets-là, mais vous le savez bien, ce qui a changé la donne depuis maintenant quelques décennies, c'est le numérique. Le numérique nous donne l'opportunité, sans doute plus que jamais, dans notre histoire, effectivement, de faire circuler les connaissances rapidement, gratuitement. Alors, pour autant, on est encore loin de l'utopie de l'accès universel aux connaissances. Vous savez que dans certains pays, encore aujourd'hui, il y a à peine 6% de la population qui a accès à l'électricité. Selon l'UNESCO, il y a 117 millions d'élèves dans le monde qui ne sont pas scolarisés. Donc vous voyez qu'on est loin de l'utopie que j'évoquais à l'instant. Pour autant,
ce partage de la connaissance le plus largement possible, il est peut-être plus nécessaire que jamais. Plus nécessaire que jamais alors que le déni de la parole scientifique progresse, alors que les fausses informations se propagent. Et à mon sens, à notre sens, c'est ce qu'on porte avec toute l'équipe, il est aussi de la responsabilité des universités de s'engager sur ce front-là, entre guillemets, même si c'est un peu guerrier, parce que effectivement, l'accès à la connaissance est une des clés. Et donc, cette question de l'accès à la connaissance, on l'a aussi inscrite dans, en quelque sorte, l'ADN de Nantes Université. Parce que Nantes Université, c'est une université qui est toute neuve, qui est toute jeune. Elle existe seulement depuis le 1er janvier de cette année, donc depuis à peine 5 mois. Alors, elle repose en deux mots hein, sur un modèle qui est inédit en France, c'est-à-dire que Nantes Université a été créée par l'ancienne Université de Nantes, qui a disparu, qui est devenue Nantes Université. Et on a créé cet établissement avec un organisme national de recherche en santé, l'INSERM, avec le Centre hospitalier universitaire de Nantes, avec l'Institut de recherche technologique Jules Verne, et puis avec 3 écoles qui étaient extérieures à l'université, qui maintenant sont dans l'université, une école d'ingénieurs, Centrale Nantes, l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire et l'école d'architecture de Nantes. Et donc, on a eu à écrire les statuts de Nantes Université. Et comme j'étais présidente de l'Université de Nantes, évidemment, j'étais directement impliquée dans ce travail. Et donc, on a effectivement inscrit ces enjeux-là dans les statuts de Nantes Université. Je vais juste vous citer 2 passages, c'est très court, pour voilà, vous donner à voir. On a inscrit dans le préambule, d'abord, cet enjeu-là, en posant que Nantes Université promeut le libre accès de tous à la connaissance, forme des citoyens éclairés, développe la recherche et l'innovation pour partager les savoirs, diffuser la culture scientifique, contribuer à la réflexion critique sur l'évolution du monde et être actrice de celui-ci, spécialement en s'emparant des enjeux attachés au développement durable. Et puis dans le corps des statuts, on a un article qui est consacré à l'accès à la connaissance. Et je vous le cite, il est très court. Le développement des biens communs du savoir est un des éléments clés du progrès social. Soucieuse d'apporter sa contribution à cet objectif essentiel, Nantes Université s'engage résolument en faveur de la science ouverte, des ressources éducatives libres et de l'innovation ouverte afin de rendre les connaissances accessibles à tous. Alors évidemment, quand on parle de statut, de préambule et même d'un article comme celui que je viens de vous lire, on peut se dire que tout ça c'est déclaratif, c'est symbolique, certes, mais les symboles sont importants. Et les symboles sont importants notamment quand on crée une nouvelle université. Ça n'arrive pas si souvent de créer une nouvelle université. Et donc, voilà, je ne pouvais pas imaginer que ça ne figure pas dans les statuts. Ça y est. Et c'est, en quelque sorte, le socle politique sur lequel s'appuie notre action, notre engagement aujourd'hui, en faveur, vous l'avez compris, d'une approche transversale de l'ouverture. Science, éducation, innovation, mais aussi, on va en parler, ça a été évoqué hier aussi lors de la keynote, dans le mode de gouvernement de notre établissement. Et donc, ben, on va revenir sur chacun de ces points, avec les collègues là, qui ont accepté de se joindre à moi ce matin pour partager des éléments avec vous et puis évidemment lancer la discussion. Le premier sujet peut-être à évoquer, c'est la science ouverte. Alors, s'agissant de la science ouverte, notre conseil d'administration a adopté il y a 1 an, tout juste, au mois de mai, une délibération relative à la science ouverte. En s'appuyant sur l'opportunité qui est offerte en France par la loi pour une république numérique que j'ai déjà évoquée, et donc dans le cadre qui est posé par cette loi, on a donc décidé de généraliser l'accès ouvert aux publications en imposant une obligation de dépôt de tous les articles scientifiques dans l'archive ouverte que j'évoquais tout à l'heure, hyperarticles en ligne, HAL. C'est une obligation qui est adossée sur des mesures incitatives. Donc, concrètement, par exemple, pour les évaluations institutionnelles de nos laboratoires, aujourd'hui, on ne prend en compte que les publications qui sont référencées dans l'archive ouverte. On peut aussi ajuster les dotations des laboratoires en fonction du pourcentage de documents accessibles sur l'archive ouverte. Voilà les leviers. Donc, vous le comprenez aussi, on a fait le choix de la voie verte, des archives ouvertes, considérant que le système auteur-payeur que vous connaissez ne change pas profondément et réellement le modèle de diffusion des publications scientifiques. Avant de passer la parole à Mathilde, je voudrais juste insister sur un point par rapport à cette question de la science ouverte, notamment et même plus généralement de l'accès à la connaissance. Si on a pu mettre en œuvre ce dispositif sur la science ouverte, c'est grâce à l'engagement depuis plusieurs années de tout notre service commun de documentation.
Et je veux vraiment insister sur ce point parce qu'il est essentiel. Nos collègues des bibliothèques, aujourd'hui, ils administrent notre portail dans l'archive ouverte, le portail de Nantes Université, mais surtout, ils ont déployé toute une série de services pour accompagner les chercheurs, les laboratoires. Aide au dépôt, prise en main de l'archive ouverte, accompagnement des laboratoires dans la gestion de leurs collections, des formations aussi ont été mises en place pour les doctorants, par exemple. Donc, voilà, c'est tout un ensemble de dispositifs pour accompagner cette décision et, j'insiste, les bibliothèques ont vraiment un rôle essentiel à jouer en la matière. Et donc, comme je vous le disais, pour aborder ce sujet, je vais maintenant passer la parole à une collègue, Mathilde Labbé, qui est enseignante-chercheure à Nantes Université en littérature française et qui est également responsable scientifique de la plateforme des données Humanum Loire pour la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin. Mathilde. Merci. Je veux d'abord remercier Karine Bernot de m'avoir invité à prendre la parole. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir évoquer l'activité de nos laboratoires en matière de sciences ouvertes. Avec le tournant numérique, Karine l'a dit, les chercheurs, en tant qu'agents d'institutions publiques, font face à de nouveaux défis pour la publication de leurs travaux. Ils doivent, par exemple, tenir compte des droits de reproduction et de réutilisation de leurs objets et de leurs productions, ou bien formuler les métadonnées correspondantes dans un langage qui soit à la fois interdisciplinaire et international. Ça modifie en fait les pratiques de recherche dans leur ensemble. La gestion des données a pris une importance capitale parce que c'est une condition de possibilité de la science ouverte. Pour évoquer cela concrètement, je vais prendre d'abord l'exemple du projet LITEP que je coordonne. LITEP, ça signifie la littérature dans l'espace public. Nous partons du constat que l'espace public utilise, entre autres, en grande partie la littérature pour se structurer et s'imposer à ses utilisateurs. Et nous analysons les principes de cet usage. Quels sont les auteurs? Quels sont les personnages qui sont représentés dans l'espace public? Pourquoi sont-ils choisis? Comment? Nous avons créé une base de données, Monuments littéraires, dont vous voyez ici une page, pour étudier cette question, pour répertorier les marques de la présence des écrivains, des monuments, des plaques commémoratives, des noms de lieux dans l'espace public et pour étudier la manière dont ces traces participent à la construction d'identités locales ou nationales. Par exemple, Jules Verne, qui est né à Nantes et qui est mort à Amiens, est revendiqué dans ces deux villes, mais également dans la ville de Vigo, en Espagne. En revanche, il n'est pas du tout représenté par un monument à Paris. Pourquoi ? À travers le graphe relationnel que vous voyez également à l'écran, nous analysons aussi le rôle de ces commémorations dans le milieu littéraire et dans ses relations avec la vie politique et la vie économique. Notre projet mobilise des chercheurs universitaires, bien sûr, mais aussi des archives départementales, des bibliothèques, des maisons d'écrivains, des sociétés d'amis d'auteurs. Il a donc fallu assurer l'interopérabilité des données et la compatibilité des droits d'exposition des documents qui nous étaient prêtés ou fournis. Ici, à l'écran, vous avez la reproduction d'une photographie de l'inauguration de la statue de Lamartine en 1886, qui appartient au fonds Roll de la BNF, une mine absolument fantastique. Nous avons travaillé pendant toute la durée du projet pour faire en sorte que la base de données soit conforme aux principes FAIR, Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. À la MSH Ange Guépin, nous avons la chance d'avoir deux plateformes dédiées au stockage, au traitement et à l'analyse des données, qui sont Humanum Loire, que vous voyez ici, et Projet d'eau Loire, deux plateformes locales qui font le lien avec des infrastructures nationales et qui accompagnent les chercheurs dans trois grandes transformations de leurs pratiques. En premier lieu, dans l'intégration de la gestion des données au travail de la recherche, le Data Management Planning. Aujourd'hui, les grandes agences de financement de recherche exigent toutes de leurs équipes qu'elles rationalisent, avant même la collecte, le stockage et la transmission des données. C'est d'autant plus important quand les projets relèvent de la science participative. C'est le cas, par exemple, pour le projet Récital, qui vous est présenté dans la partie droite de la diapo. Ce projet repose sur le crowdsourcing, l'implication du grand public dans la recherche. Ce crowdsourcing a apporté une aide considérable au projet qui traite 26 000 pages, je crois, de registres comptables de théâtre.
Il s'agit en fait, pour étudier l'histoire matérielle du théâtre, d'encoder ces pages pour repérer dedans quels sont les éléments de décor, ce qui désigne les différentes catégories du public, ou encore comment ont été payés et acquis des droits d'auteur. Enfin, des éléments qui nous renseignent sur les règles qui encadrent les représentations. Donc tout cela nous renseigne sur la vie matérielle du théâtre. Et vous voyez ici l'interface de contribution qui est proposée aux internautes souhaitant participer. Le projet compte aujourd'hui 1866 contributeurs qui sont pour la plupart anonymes et qui ont permis de réaliser 217 000 marques dans ces registres. Ça implique bien sûr d'adapter les procédures de relecture et d'harmonisation de l'ensemble de ces données, mais aussi de fédérer cette communauté de contributeurs. Cette évolution dans la gestion des sources et dans le stockage des résultats permet et suppose de nouvelles formes de publication et de vulgarisation scientifique. C'est une question centrale et c'est pourquoi plusieurs journées et conférences ont été organisées sur ce sujet cette année. Nous avons ainsi pu réfléchir à l'intérêt des data papers qui permettent d'exposer à la fois la collecte, la structuration et l'interprétation des données. Nous avons aussi réfléchi au fonctionnement des épi-revues qui reposent sur le dépôt en archive ouverte de toutes les versions successives d'un même article jusqu'à la version finale. Mais nous nous intéressons aussi aux formes de restitution des résultats qui peuvent toucher le grand public. Le projet VSpace, dont vous avez une présentation sur la droite de la diapo, est un vrai modèle en la matière, puisqu'il permet à tous de découvrir des théâtres de marionnettes du XVIIIe siècle, bien sûr disparus, et de comprendre leur fonctionnement grâce à la réalité virtuelle, plutôt qu'à un long discours. Il a été présenté à différentes fêtes de la science, aux journées innovatives du CNRS, etc. Le travail sur les technologies de restitution en réalité virtuelle, d'une manière générale, est un axe fort de la recherche interdisciplinaire à Nantes. On voit bien ici que développer un outil est un résultat autant que la collecte et l'interprétation des données. Pour terminer, il reste la dernière lettre du FAIR, reusable. C'est un bel objectif, mais pour passer des données réutilisables aux données effectivement réutilisées, il faut plus que des standards d'interopérabilité. Il faut des réseaux de recherche actifs, et c'est ce que nous voulons construire. Au passage, ces données, ce ne sont pas seulement des images, pas seulement des transcriptions d'entretiens ou d'archives, pas seulement des données quantitatives ou géographiques, ce sont aussi des codes sources. Vous voyez ici, entouré, le pictogramme indiquant que le code source du projet présenté est accessible sur l'entrepôt GitLab que nous sommes nombreux à utiliser. Nous avons développé un groupe de réflexion sur ce sujet qui réunit des porteurs de projets en sciences humaines et sociales de toute la région Pays de la Loire et qui s'appelle Société Humanité Numérique, qui vous est présenté ici. De nombreux projets mettent en œuvre cette circulation des données et pour certains, c'est un pari vraiment ambitieux. Je voudrais citer le cas du projet Subwork sur les espaces suburbains de production qui réutilise des données personnelles et confidentielles en les transformant en données ouvertes grâce à différents compromis pour les anonymiser sans perdre trop d'informations. Depuis longtemps, nous savions en tant que chercheurs la nécessité de rendre publiques les données collectées, mais il restait difficile de repartir de jeux de données existants. La première raison, c'est que l'accès, théoriquement possible, est parfois techniquement complexe. La seconde raison, c'est que jusque récemment, innovation était presque toujours synonyme de nouveaux terrains. Et pourtant, il est rare qu'un objet de recherche, un projet de recherche, pardon, qui est forcément limité dans le temps, épuise en totalité le potentiel de sa propre collecte. D'où l'intérêt de pouvoir transmettre les données pour que les premiers résultats puissent être augmentés par d'autres équipes. Ça implique un véritable changement de culture scientifique et nous sommes très heureux à Nantes Université d'avoir pu mettre en place les outils pour y parvenir. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathilde. Sur ce sujet de l'accès aux données de la recherche, qui est un très vaste sujet qui est particulièrement complexe, vous le savez, on l'a ouvert évidemment aussi à l'échelle de l'établissement. Quel stockage, pour quelles données, Mathilde vient de l'évoquer. Donc il y a un travail qui est en cours avec des laboratoires pilotes, en fait, pour identifier les besoins et la manière d'avancer sur ce sujet-là. Donc
voilà pour la science ouverte. L'éducation ouverte. Alors, il faut être honnête, on part de plus loin que sur la science ouverte, sur ce sujet-là. Le sujet est encore moins connu, on a encore plus de pédagogie à faire. Après, on a la chance à Nantes, et vous le savez, d'avoir un formidable démonstrateur avec la chaire UNESCO qui est portée par Colin de la Higuera et qui est dédiée donc, aux ressources éducatives libres et à l'intelligence artificielle. Et donc, Arnaud Gevel, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le vice-président en charge de la formation et de l'éducation ouverte, travaille sur ces questions-là et je lui passe donc la parole, Arnaud. Merci, merci Karine. Bonjour, chers collègues. En effet, Nantes Université ouverte et durable, comme l'a précisé notre présidente, est engagée dans la connaissance ouverte avec un engagement politique qui est complètement affirmé, qui est posé sur, en tout cas, trois piliers ou nos trois missions fondamentales que sont la recherche, l'enseignement et l'innovation. Et je vais bien évidemment m'intéresser sur cette petite séquence à l'éducation ouverte, puisque cette action est incluse en effet dans le périmètre de ma fonction. Alors en effet, ceci nous permet de répondre à l'objectif 4 de développement durable des Nations Unies et des recommandations de l'UNESCO pour une éducation accessible au plus grand monde. Cette ambition aussi, on la porte, comme vient de le dire la présidente, parce que on a parmi nous en effet cette chaire UNESCO, ressources éducatives libres et intelligence artificielle portée par Colin que je cherchais dans la salle mais qui est là-bas et la chaire en fait contribue évidemment activement à créer des innovations pédagogiques au service de la création et du partage des ressources éducatives libres mais également l'engagement de Colin au sein d'Open Education Global nous a permis de vous accueillir à Nantes aujourd'hui et depuis lundi. Et c'est un réel plaisir et un honneur de vous avoir ici, toutes et tous, pour partager, pour entendre en fait vos expériences menées, les travaux développés dans vos universités. Mais je tiens ici, puisque j'ai ce petit temps-là à la tribune, à remercier tout particulièrement Colin pour nous avoir permis de vous accueillir. Cet événement distanciel en octobre 2021, en présentiel depuis lundi en effet, nous permet aussi d'affirmer cette intention de contribuer à une éducation ouverte, être une université qui compte dans ce paysage-là pour les années qui viennent. Et toutes les communications ici vont nous inspirer et nourrir nos actions certaines que je vais partager ce matin avec vous. Alors, nous avons créé avec six autres universités l'université européenne UniWell. Nous sommes aujourd'hui huit membres. L'université du well-being, qui fait écho au concept du buen vivir, qui nous a été si élégamment et à travers une conférence exceptionnelle présentée hier par le ministre Andrea Arus, qui nous a quittés, mais que je remercie aussi vivement pour les valeurs qu'il a portées autour de l'ouverture, mais aussi de la contribution d'une telle démarche, en fait, à une société tout entière, moderne et démocratique. Les universités d'UniWell ont signé une déclaration portant sur l'intention de développer l'open education et signer aussi toute conjointement la déclaration de Capton, ce qui témoigne de l'engagement d'UniWell, l'engagement politique, mais qui se matérialise déjà par certaines actions concrètes qui sont menées au sein de notre université européenne. Alors, un petit partage en fait de notre vision de l'éducation ouverte, qui ne se résume pas, bien évidemment, et comme vous le portez aussi, à la production des ressources éducatives libres, mais va au-delà. Alors, tout d'abord, pour nous, le partage des ressources éducatives libres au sein même d'un établissement et de Nantes Université est essentiel. Aujourd'hui, nous possédons une plateforme, comme vous tous, Moodle, où les ressources pédagogiques produites, en fait, par les enseignants
eh bien, sont déposées, mais accessibles uniquement aux étudiants inscrits dans leurs cours, ou à peu de choses près. Et nous avons l'intention d'ouvrir justement cette plateforme Moodle, qui s'appellerait un Open MADOC, pour que les ressources déposées soient accessibles aux 42 000 étudiants, déjà, mais aussi à tous nos personnels, sans exception, à part dans certaines situations pédagogiques qui méritent ou imposent en fait la confidentialité dans le partage vers un groupe d'étudiants en particulier. Le second niveau consiste en l'ouverture en fait de certaines ressources à un cercle de partenaires, à des universités françaises, des universités étrangères, et bien évidemment dans le périmètre d'UniWell, comme je viens le citer, puisque nous développons actuellement de nouveaux cursus de formation, d'emblée conçus en open education. Nous avons aussi des liens étroits avec les universités numériques thématiques présentes ici depuis lundi, et nous souhaitons également intensifier ceci. Et puis il y a ce troisième niveau qui concerne en effet le partage et la création de ressources éducatives libres diffusées sur une plateforme accessible à tous au service d'une formation de qualité pour nos étudiants, pour améliorer aussi leur réussite et rendre nos formations plus attractives. Alors, pour cela et pour engager cette démarche, comme l'a dit la présidente à l'instant, parce que nous partions de plus loin, eh bien, nous sommes appuyés sur l'expertise, les conseils et la collaboration de nos collègues et amis Christine Jacquemot et Yves Deville, que je salue et qui sont dans la salle et avec nous depuis lundi, de l'Université catholique de Louvain. Et leur expertise nous est précieuse pour avancer à grands pas. Alors, nous sommes aujourd'hui en fait dans une étape de finalisation, bien que nous menons des actions, hein, et je n'y citerai pas ce matin, mais elles sont concrètes. À travers la chaire portée par UNESCO, portée par Colin, mais au-delà également. Mais nous finalisons en fait un plan d'action qui sera prochainement soumis à nos instances. Notre premier objectif est de sensibiliser, d'acculturer, de convaincre nos communautés. La conférence en fait Open Education Globale qui se tient ces jours-ci eh bien, constitue en effet une étape importante pour nous, puisque nous menons en interne autour de cet événement des actions de communication et de sensibilisation. Ensuite, nous allons aussi former les communautés des personnels et des étudiants, former les personnels en s'appuyant, par exemple, sur des modules de formation créés en open dans le cadre d'une collaboration entre la chaire UNESCO Relia, portée par Colin de la Higuera, et des collègues de l'université de Rabat, au Maroc. Et également en développant en fait des outils ou en en mettant à disposition des outils de curation pour aider nos collègues à créer des contenus d'enseignement. C'est d'ailleurs ce que permet l'outil développé actuellement par la chaire UNESCO dans le cadre d'un projet nommé Clara. Mais également les étudiants doivent être formés notamment parce qu'il est important de les doter d'outils de curation dans le cadre d'une collaboration avec une EdTech EdFlex. Ce sera rendu possible pour certaines promotions et au sein de certaines formations, ce qui leur permettra en fait de mieux sélectionner les contenus et les informations qu'ils recherchent sur Internet, ce qu'ils pratiquent déjà en mobilisant finalement des moteurs de recherche, mais sans filtre qualitatif. Nous travaillons aussi sur la structure en fait de l'accompagnement des enseignants pour produire des ressources éducatives libres. L'exemple de la fabrique REL portée par l'université de Sherbrooke, nous inspire depuis plusieurs mois, et nous avons l'intention en effet de développer ce modèle que nous sommes d'ailleurs ces temps-ci en train de créer. Alors, nous avons aussi, depuis maintenant plusieurs mois, identifié plus d'une vingtaine de formations, initiales et continues, de tous niveaux, de domaines scientifiques disciplinaires différents, portés par nos écoles, nos instituts, nos facultés,
qui seront de véritables démonstrateurs que nous allons transformer ou créer en appliquant l'éducation ouverte. Alors ces démonstrateurs ont vocation ensuite à nous permettre de les présenter comme exemple et la démarche pourra être ainsi essaimée vers d'autres modules d'enseignement ou vers d'autres formations plus tard. Nous développerons aussi l'apprentissage immersif ouvert en créant une plateforme dédiée aux ressources éducatives immersives libres, en collaboration avec France Immersive Learning et notamment Nicolas Dupin qui est là aussi présent depuis lundi et qui, dans son exposé d'hier, pour partie, a évoqué ce projet lors d'une session qui se tenait d'ailleurs dans cet auditorium. Nous sommes convaincus que la réalité virtuelle et augmentée doit constituer une technologie au service de nos pratiques, de nos enseignements pratiques, et notamment pour l'apprentissage de gestes complexes, en chirurgie par exemple, mais aussi, pourquoi pas, développer des compétences techniques et technologiques dans des environnements très complexes comme un cyclotron, comme autour d'un moteur d'Airbus. Ces deux exemples choisis, bien sûr, en lien avec la présence de ce cyclotron Aronnax qui est adossé à notre CHU Nord-Laennec et la présence sur le territoire à Nantes et à Saint-Nazaire de la société Airbus. Alors, enfin, nous travaillons activement aussi au développement de nos environnements numériques avec une exigence de développement durable, j'ai envie de dire bien sûr, et pour garantir l'accès aux ressources éducatives libres produites, nous avons des enjeux d'interopérabilité, des plateformes à régler, des enjeux technologiques pas simples, mais c'est ce qui est, par exemple, engagé actuellement, et cela depuis quelques semaines, au sein de l'université d'Uniwell. Alors, et pour terminer, j'ai envie de prendre rendez-vous avec vous et vous dire que, je l'espère, nous aurons l'occasion, lors d'OEG 2023 à Northwest College à Edmonton, de vous présenter en fait certaines de nos réalisations. En tous les cas, notre conviction est pleine et entière et nos actions, certaines engagées, d'autres prochaines, vont contribuer en fait à ce que l'éducation ouverte soit portée par Nantes Université. Merci. Merci Arnaud. Donc vous avez compris que dans le même état d'esprit, on cherche aussi à déployer l'innovation ouverte et collaborative, avec l'idée là aussi que c'est une manière d'accroître l'impact de nos activités de recherche sur la société. Et donc là aussi, inutile de vous dire, on a un gros travail de pédagogie à faire, parce que c'est peut-être un sujet qui est encore moins connu que l'éducation ouverte. Là aussi, on a la chance, comme avec la chaire de Colin, d'avoir des exemples de réussite et des démonstrateurs. Je pense notamment aux travaux de notre collègue Patrick Lecalet, qui a été récompensé il y a un peu plus d'un an maintenant par un Emmy Award de la technologie et de l'ingénierie, qui s'inscrit pleinement dans cette démarche d'innovation ouverte. Et donc sur ce sujet, je vais laisser la parole à Frédéric Jacquemin, qui est vice-président aussi de Nantes Université, qui est notamment en charge des questions d'innovation, et Lucille Colombin. À vous deux. Bonjour à toutes et à tous. Alors on innove, on est deux pour parler de ce sujet. Donc je vais vous parler d'innovation et en particulier de la route que nous traçons autour de l'innovation ouverte. Aujourd'hui, l'innovation est adossée à nos travaux de recherche, à nos formations initiales et continues, et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de dire, c'est que l'innovation peut être également une porte d'entrée pour l'université. Et l'innovation peut finalement générer des travaux de recherche et mobiliser nos formations ou voir leur évolution de ces formations. Alors c'est vrai que l'innovation est la troisième mission des universités, hein, avec la recherche et la formation, et on parle souvent d'une démarche RFI, recherche, formation, innovation, et nous avons en France un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation et de l'innovation. Donc nous proposons finalement de changer de paradigme et de mettre l'innovation comme étant cette porte d'entrée du milieu universitaire. Cette porte d'entrée, elle est déjà présente dans de nombreuses universités, bien entendu, elle est aussi présente à Nantes, mais on veut finalement accélérer le process. Je pense notamment à certaines universités britanniques, en particulier à Édimbourg,
à Édimbourg, des citoyens se voient attribuer le statut d'innovateur en résidence. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit aussi aller à Nantes. Alors, face aux grands défis de la société, qui sont par nature pluridisciplinaires et transverses, ces grands défis, finalement, entraînent, dans un premier temps, souvent des enjeux d'innovation, qui d'ailleurs vont parler au plus grand nombre, et finalement vont aussi asseoir la place d'une université, notamment de Nantes Université, mais aussi de vos universités, dans la vie du citoyen, de l'usager et du territoire. Ces enjeux d'innovation, finalement, nous permettent de mobiliser différents laboratoires, de disciplines différentes, donc pour jouer sur l'interdisciplinarité nécessaire à lever ces grands défis sociétaux, mais également de re-questionner nos formations, voire nos modes de formation. Ainsi, cette démarche, finalement, dont je parlais de recherche, formation, innovation, on peut aussi parler d'une démarche complémentaire qui est une démarche d'innovation, recherche et formation. Alors, l'innovation ouverte constitue un formidable levier dans ce contexte. Cela nous oblige à revoir nos modes d'organisation, de gouvernance de projet, à placer les enjeux collectifs comme conditions nécessaires et à assurer la mixité des acteurs du processus d'innovation. C'est également l'opportunité pour placer l'université ou le monde universitaire au cœur des actions et comme lieu, véritable lieu d'expérimentation. Donc ainsi, l'innovation ouverte permet de faire converger les attentes des chercheurs, des acteurs du monde socio-économique, des usagers face aux grands défis de la société. Donc je vais laisser rapidement la parole à Lucille, mais juste avant de lui laisser la parole, je voudrais dire quelques mots sur l'intérêt que peut avoir à la fois notre communauté, mais également les entreprises ou les usagers, les citoyens, à aller vers ce type de démarche. Pour nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs, nos personnels, finalement, c'est la possibilité d'accéder à des terrains d'expérimentation et à des usagers. C'est la possibilité également de développer une expertise interdisciplinaire, en phase avec les attentes du territoire, important la place de l'université dans le territoire, mais également les attentes qui vont au-delà du territoire national et qui vont au niveau européen ou international. Concernant les acteurs socio-économiques, notamment je pense au monde des entreprises, la possibilité de s'intégrer dans une démarche collective, de faire aussi de la relation inter-entreprise, bien entendu, et de bénéficier finalement des capacités que peut mobiliser finalement une université comme la nôtre. Et puis, bien entendu, pour les usagers, et là, je laisserai Lucille en parler davantage, pour les usagers, c'est la capacité, finalement, d'être acteur de la démarche d'innovation, d'être en lien avec un monde universitaire pour lequel ils sont quelquefois assez éloignés, et de participer à une démarche collective. Alors, Lucille va être un peu plus pragmatique que moi. Elle va vous illustrer un dispositif qu'on met en place et qui montre, finalement, l'intérêt de travailler collectivement sur ces démarches d'innovation. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis directrice opérationnelle d'un programme régional sur l'expérience des usagers qui est porté par Nantes Université et co-animé avec l'école de design Nantes Atlantique. Et en fait je suis là pour vous présenter un modèle original d'innovation ouverte que nous expérimentons depuis le printemps 2021. Donc, en fait, nous avons souhaité structurer et accélérer des travaux collaboratifs sur les usages et sur l'expérience usagée comme un levier de changement des comportements dans un contexte de transition. Et pour ça, nous avons imaginé un nouveau format qui sont des programmes interdisciplinaires d'innovation. Ce sont des consortiums de recherche innovation d'une durée de 2-3 ans qui répondent à plusieurs conditions. Donc, tout d'abord, répondre concrètement à un ou plusieurs défis de transition qui s'incarne très concrètement sur le territoire. Associer des acteurs socio-économiques et des chercheurs et mobiliser plusieurs disciplines, ça c'est très important pour nous également, puisque c'est vraiment une démarche interdisciplinaire. Donc en particulier des sciences, que ce soit du côté des sciences humaines et sociales ou des sciences et techniques, mais aussi aux côtés des disciplines de conception ou de création, que sont en particulier le design et l'architecture. Et ça pour pouvoir proposer en fait un continuum de compétences de la conception jusqu'au prototypage, à l'expérimentation et à l'évaluation
de nouveaux produits, de services ou encore d'espace. Ces consortiums doivent générer des connaissances sur l'expérience des usagers et les transitions. Et enfin, c'est très important, l'expérimentation est au cœur de ces démarches, parce que c'est le terrain de rencontre, finalement, entre des disciplines, des acteurs qui ont des temporalités différentes, des enjeux différents. Alors, les acteurs socio-économiques sont mis à contribution, puisqu'ils cofinancent à hauteur de 50%. Ils apportent également des terrains d'expérimentation, des usagers, je vais en reparler, et des collaborateurs. Les chercheurs apportent évidemment leur expertise scientifique, mais également l'accès à des plateformes, en particulier dans notre cas d'évaluation de l'expérience des usagers. Et puis, donc nous venons avec des financements publics de la région soutenir la réalisation des expérimentations sur le terrain pour démultiplier et leur portée et leur nombre. Et enfin, nous soutenons le fonctionnement de ces consortiums. Donc, il y a trois projets qui ont été soutenus à ce jour. Un premier sur l'habitat inclusif partagé avec de jeunes autistes, qui est soutenu également par la fondation de l'université. Un deuxième sur l'acceptabilité de l'intelligence artificielle. Et un troisième que je vais vous présenter plus en détail sur l'expérience patient. Ah oui, d'accord, non, mais c'est bon. Ok. Donc, ce projet, Patient Experience Evaluation Lab, PEEL, s'attaque à la question des transitions dans les parcours de santé, qui sont à la fois marquées par une complexification du fait d'une ultra-spécialisation, mais aussi de la digitalisation croissante, et par de fortes attentes sociétales sur la place des patients comme acteurs de leur propre santé, mais aussi acteurs du système de santé. Ce consortium s'est fixé pour objectif d'expérimenter, de proposer des méthodologies d'évaluation et de conception innovante de l'expérience en santé qui permettent notamment de faire appel au savoir expérientiel des patients. Donc nous avons dans ce consortium trois acteurs socio-économiques qui sont des agences de design ou d'architecture qui interviennent régulièrement sur des sujets relatifs à la santé et puis deux laboratoires, même si on a plus de chercheurs que ça, mais deux laboratoires ou des chercheurs de deux laboratoires principalement en design et en sciences du numérique. Juste avant. Donc je vais présenter très concrètement une expérimentation, parce que ça va vous permettre aussi de comprendre comment l'expérimentation permet justement de faire le lien entre l'ensemble de ces éléments. Donc c'est une expérimentation autour d'un projet de nouvelle chambre de néonatologie qui est porté par le CHU de Nantes et qui implique déjà l'agence de design Sans Hypothèse qui est dans le consortium. Cette expérimentation doit permettre de comparer les deux versions de chambre en couplant plusieurs approches d'analyse de l'expérience des patients. Ce type d'expérimentation, en fait, il a plusieurs bénéfices. Il permet aux chercheurs d'accéder à des terrains, des défis concrets et également de pouvoir avoir un impact sociétal direct. Pour les partenaires socio-économiques, c'est une montée en compétences, bien sûr. Pour les terrains d'expérimentation, c'est aussi la possibilité d'accéder à des résultats scientifiquement valides. Donc, la portée de ces résultats, issus des expérimentations, elle permet la publication, bien entendu, la dissémination, et elle suscite l'intérêt d'autres acteurs en interne et en externe. Je vais vous donner aussi quelques éléments sur le fonctionnement et l'organisation de PEEL en particulier. Donc nous avons pu constater qu'il y a plusieurs niveaux d'intérêt et d'implication. D'une part, on a des fondateurs qui contribuent à l'activité d'études, d'expérimentation, qui participent à la gouvernance. On a des terrains qui sont partenaires, qui offrent des environnements d'expérimentation et qui peuvent être d'ailleurs des clients des acteurs socio-économiques qui sont fondateurs. Dans un autre programme, nous avons un modèle différent, celui que j'ai cité, qui est soutenu par la Fondation. Là, les terrains d'expérimentation sont directement les membres fondateurs, donc il n'y a pas d'acteurs intermédiaires. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'ensemble des parties prenantes forment une communauté, finalement, voilà, qui se crée, qui s'agrège au fur et à mesure. Cette communauté, elle partage des résultats, elle contribue à la réflexion globale et également à la promotion et à la dissémination des connaissances, et c'est important. La gestion de la propriété industrielle, qui est un sujet quand même assez sensible, on le sait, quand on parle d'innovation ouverte, elle peut être totalement libérée dans certains cas, dans ce qu'on a pu voir, ou elle peut être en partie restreinte, voilà, selon les cas de figure.
En termes d'enseignement et de perspective, on a pu constater d'une part que ce type de dispositif d'innovation ouverte intéresse à la fois les chercheurs et les acteurs socio-économiques pour pouvoir mener des travaux collectifs et interdisciplinaires. Donc c'est une dynamique fédérative qui fonctionne. C'était un pari au départ et voilà, on est heureux de constater que ça fonctionne. On n'a pas de modèle universel d'organisation et pas de modèle universel de partage des travaux collectifs, des connaissances. On aura peut-être dans quelques années un peu plus de recul. On a d'autres activités à explorer, hein, c'est prévu dans la feuille de route de plusieurs de ces programmes, mais ils sont très récents, donc ça n'a pas encore été mis en œuvre. En particulier en termes de valorisation et de dissémination, la création de supports pédagogiques, de livres blancs, de modules de formation, de MOOC qui peuvent être largement ouverts à la fois aux professionnels des secteurs représentés, mais aussi à l'ensemble des citoyens. Ces consortiums sont aussi, nous donnent aussi la capacité de pouvoir se positionner sur des appels à projets nationaux, internationaux, à travers cette expertise collectivement créée. Des questions se posent évidemment en termes de pérennisation et qui touchent fortement à l'ouverture, hein, parce que d'une part, ce partage y fonctionne parce qu'il y a une animation collective, qui aujourd'hui est financé par des fonds publics. Donc voilà, comment est-ce qu'on maintient cette dynamique de manière pérenne? Et puis les acteurs socio-économiques, ils ont aussi besoin de valoriser à relativement court terme leur investissement pour pouvoir continuer à investir de manière récurrente dans ce type de programme. Donc il y a clairement de nouveaux modèles économiques aussi à inventer à cheval entre les acteurs publics, les acteurs privés. Voilà pour ma part. Frédéric, je pense que tu voulais conclure. En fait, en quelques secondes, donc pour résumer nos propos, donc l'idée, c'est de placer l'innovation comme étant une porte d'entrée. Cette démarche-là permet finalement, en activant notre force en recherche, de relever les grands défis qui se présentent au monde universitaire. Donc nous avons également, par cette démarche d'innovation ouverte, accès à des terrains d'expérimentation. Ces terrains d'expérimentation au plus près des usagers et des citoyens en lien avec les entreprises nous permettent finalement aussi d'augmenter nos connaissances, d'avoir une démarche qui est très interdisciplinaire. Et puis, bien entendu, l'impact que doit avoir une université sur la société se matérialise avec ce type de démarche. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Il nous reste donc, vous l'avez compris, pour terminer, à aborder la question du gouvernement ouvert qui a déjà été évoquée hier matin lors de la keynote dont parlait Arnaud tout à l'heure. Peut-être que les universités en France, elles reposent sur un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire qu'on a des instances qui sont composées d'élus, qui représentent les personnels et les étudiants, parfois majoritairement, parfois exclusivement. Donc la place des personnalités extérieures est importante, mais en tout cas à Nantes, elle reste minoritaire. Et les présidents d'universités sont élus par leur père, donc indépendant, à l'égard du gouvernement. Donc on a un fonctionnement qui repose sur une démocratie représentative qui est très important, on y est attaché, et en même temps, le constat qu'on fait depuis plusieurs années, pas seulement à l'université, c'est que peut-être ça ne suffit plus. Peut-être ça ne suffit plus, et pour ce qui nous concerne, les universités ont grossi, les personnels et les étudiants se sentent souvent éloignés des espaces de décision, des instances que j'évoquais à l'instant, ont l'impression que tout ça leur échappe. Et donc, trop souvent, la démocratie universitaire se réduisait finalement tous les 4 ans ou 5 ans à aller voter pour constituer les instances au moment de l'élection du président. Et donc l'idée, c'est de se dire que pour renforcer l'université, eh bien, il faut renforcer la démocratie participative en complément de la démocratie représentative, et donc adopter finalement les principes du gouvernement ouvert qui ont été évoqués hier matin, comme je le rappelais, qui reposent sur deux mots, hein, si on voulait résumer, transparence et participation. Et donc en 2020, dès mon élection, j'ai créé une mission indépendante dédiée à ce sujet de la démocratie universitaire qui était confiée à un collègue politiste, professeur des universités à Nantes Université, Arnaud Leclerc, qui va vous parler de son travail. Arnaud. Merci Karine, bonjour à toutes et à tous. Le point de départ, je crois, de cette question... L'université, sur le plan historique, fonctionne sur un principe de collégialité. Seulement, cette collégialité, au fur et à mesure du temps, elle s'est souvent réduite à la collégialité des seuls professeurs.
jusqu'avant 68. Et aujourd'hui, nous sommes des universités de masse. Et une université de masse, ça veut dire beaucoup d'étudiants, mais aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs avec des statuts très différents, des reconnaissances variées, beaucoup de personnel de soutien avec des statuts différents. D'une certaine manière, il nous faut réinventer une collégialité élargie, bien plus inclusive et bien plus opérationnelle. Or, nous avons face à nous une tendance contraire lourde qui a été identifiée par la recherche en France, par les travaux du Centre de sociologie des organisations à Sciences Po Paris, qui travaille spécifiquement sur la question de la gouvernance universitaire. Et cette tendance lourde, c'est que depuis à peu près 25 à 30 ans, nous voyons dans les universités françaises, qui étaient dérogatoires, qui sont en train de se normaliser, nous voyons une verticalisation se mettre en place. Les présidences d'universités deviennent des centres de commandement très puissants, professionnalisés, et ça induit une espèce de fossé grandissant entre la communauté universitaire de base, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit les personnels de soutien, et puis la direction politique de l'établissement. Ça a plein d'implications, un certain écrasement des hiérarchies intermédiaires, une diminution du poids des collectifs, etc. Et il faut y ajouter, depuis 10 ans quasiment, le fait que les initiatives d'excellence, ou des noms variés en France, ont induit une accélération de cette transformation et une forme de polarisation. Dans énormément de sites en France, ces initiatives ont conduit littéralement à des tensions fortes entre le terrain et les directions. J'ai l'habitude de dire, pour beaucoup de membres de la communauté universitaire de base, les objectifs politiques que s'assignent les directions d'université sont des avions qui passent à 10 000 mètres au-dessus de leur tête. Et donc, une des difficultés, c'est puisqu'on cherche à réinventer quelque part l'université, il faut aussi réinventer sa modalité de fonctionnement interne. C'est le jeu de cette mission de démocratie, d'une certaine manière. C'est d'y réfléchir et d'essayer de proposer une série de solutions. Il y a 3 principes clés qui ont été actés dès le démarrage. Le premier, c'est une mission indépendante. Elle ne relève pas de la direction politique de l'établissement. Elle relève de quelque chose qui ressemble à ce que nous, on appellerait en français une autorité administrative indépendante, ou ce qu'on appellerait en anglais quelque chose comme un ombudsman. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une création, une autorité très soutenue politiquement, et c'est important parce que ça va permettre de s'occuper de dossiers sensibles, visibles, et de dossiers majeurs. Et puis la troisième chose, cette mission vise à consolider la démocratie représentative en utilisant d'autres outils et d'autres logiques, et non pas à la contourner ou à l'éviter. Alors, quels sont les rôles? Il y a une lettre de cadrage qui a été fixée, je dirais, en pratique, comment ça marche? C'est très simple. Une instance élue dans l'université, que ce soit un responsable de faculté, président d'université ou une instance collective, un conseil d'administration, etc., peut saisir cette mission d'un problème. Et une fois qu'on est saisi, on va étudier et discuter avec l'acteur de la nature du problème pour envisager quels sont les types de réponses démocratiques qu'on peut mettre en place pour y répondre. Ça donne lieu à un premier rapport écrit qui est donné à cette personne qui nous a saisi ou à cette autorité qui nous a saisi et qui vise à faire une préconisation. L'autorité en question, elle est ensuite absolument libre de suivre la préconisation ou non. Et une fois que cette préconisation, si elle est suivie, eh bien là, on rentre dans le deuxième rôle de cette mission de démocratie universitaire, qui est un rôle d'accompagnement au long cours de l'implémentation de la mise en œuvre. S'il faut choisir des prestataires, s'il faut techniquement élaborer des choses, on sera là pour le faire, mais aussi pour faire tout un travail d'intermédiation et de contrôle de la neutralité des processus vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Si on met en place des processus de consultation, il faut qu'on ait des garanties sur où sont les données, qui peut les manipuler, etc. etc. Et donc, c'est le boulot de la mission. Le travail de la mission, c'est aussi, à la fin, de faire l'analyse des données recueillies et d'en faire un rapport qui sera alors confié à l'autorité, sachant que ce rapport a pour but de l'éclairer, de lui donner une sorte de mapping des arguments. Vous allez voir que la logique qui est choisie, c'est surtout une logique qui vise à repérer où sont les points de crispation, quels sont les arguments que peut porter la communauté. C'est surtout ça qui nous intéresse, une logique très
délibérative et très argumentative. On ne cherche pas à mesurer statistiquement un rapport de force comme si on procédait à un vote ou un référendum. L'ensemble des outils qu'on a sont des outils plutôt déployés pour repérer les points de tension, proposer les différents arguments de manière à ce que l'autorité qui doit décider soit mieux armée sur le plan argumentatif. Le dernier rôle qu'on a, et celui-là pour l'instant il n'est pas encore très très élaboré parce qu'il y a eu la pandémie du Covid-19, c'est un travail d'animation intellectuelle et scientifique autour de qu'est-ce que c'est que la démocratie universitaire, qu'est-ce qu'a expérimenté ici et là en France et ailleurs, qu'est-ce qui marche et qui ne marche pas. Sujet sur lequel on est en fait, pour l'instant, très très embryonnaire, je crois, très très en retard à l'échelle collective. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on a fait depuis 18 mois que cette mission est en place? Il y a une dizaine de dossiers sur lesquels on est intervenu, mais je vais en évoquer quatre très rapidement. L'État nous demandait, dans le cadre des initiatives d'excellence, de prendre des engagements collectivement, tous ensemble, tous les partenaires. C'était un sujet tendu, je l'ai dit, comme souvent dans beaucoup de sites français. Il a fallu donc mettre en place un processus que j'appellerais un processus intensif de consultation de l'ensemble des instances et l'ensemble des responsables. 18 instances mobilisées, 210 responsables. Et l'idée, c'était formulez-nous tous les amendements. Il y a une V0, il y a un texte préparatoire de l'engagement. Dites-nous là où ça bug, là où vous avez une série d'objections. Et ça a remonté une cinquantaine d'amendements. Le texte a donc été modifié. Et du coup, sur la base de ces amendements, on a fait une cartographie qui a été soumise au conseil d'administration. Et quelque part, au total, ça a conduit à un vote relativement apaisé, alors qu'on était parti d'une situation de départ qui était relativement tendue. Plus dur, deuxième processus, a été la co-construction des statuts de Nantes Université. Alors là, il s'agissait carrément de mettre en place une plateforme de consultation, de collaboration d'écriture. Là aussi, une version préparatoire est construite, elle est mise en ligne, et on demande à l'ensemble de la communauté de pouvoir formuler les objections, formuler les arguments, ce qui leur va, ce qui leur va pas, ce qu'ils veulent modifier. Et là aussi, ça a duré un peu plus d'un mois et demi de consultation électronique. Un peu plus de 1200 personnes y ont participé, un peu plus d'un millier d'avis ont été formulés, un peu plus de 250 arguments sont remontés. Le rapport final fait une centaine de pages avec un mapping des différents arguments et des points de cristallisation. Et là aussi, finalement, ça a permis une adoption par les instances d'une manière très tranquille de ces nouveaux statuts. Autre exemple, la loi sur la programmation de la recherche en France proposait aux universités trois choix. C'est de la technique, je ne vais pas y revenir. Sans doute, vous connaissez ça et vous savez que ça a été une loi extrêmement contestée dans l'espace public français. Évidemment, eh bien, ici, on a décidé qu'on allait ouvrir une consultation à l'ensemble des personnels pour savoir quels arguments ils avaient pour ou contre chacun des choix qui nous étaient proposés, faire des chaires juniors professeurs ou pas, etc. Et finalement, c'est là aussi, le système a été assez important, assez lourd, il y a eu pas mal de participation, un peu plus de 250 arguments qui sont remontés, un peu plus d'un millier d'avis, et ça a permis de faire une cartographie des arguments qui a été soumise au conseil d'administration, qui a finalement choisi de ne retenir aucun des trois choix proposés par la loi. Dernier exemple, il est en cours de construction, c'est une conférence sur le développement durable. Et là, le travail de la mission était un travail de design institutionnel. On va faire naître une nouvelle institution qui aura pour but d'être très inclusive et qui est une institution d'alerte, de critique, de relecture des politiques de l'université au regard des objectifs du développement durable. Et ça veut dire, c'est une institution assez large, une cinquantaine de membres, avec une série de principes qui ont été posés, une parité homme-femme, une parité étudiant-personnel académique, et ils sont tous tirés au sort pour des mandats courts de 2 ans. L'idée qui est sous-jacente, c'est aussi de faire de cet outil un peu nouveau un outil de socialisation d'une nouvelle génération vers les responsabilités, parce que nous constatons un peu partout dans les universités, en France du moins, je ne me prononcerai pas pour les universités étrangères, sur le fait que les responsables sont toujours un peu les mêmes et qu'on a beaucoup de mal à faire émerger, aussi bien chez les étudiants que chez les personnels, des individus qui ont envie de s'engager dans des responsabilités
et qui sont prêts à apprendre le fait de se positionner à l'échelle d'un établissement très large et non pas simplement à l'échelle de leur proximité immédiate, c'est-à-dire lire l'université juste à partir de ses pieds et de ce qu'on y voit au quotidien. Pouvoir exercer une responsabilité, c'est pouvoir élargir sa vue. 42 000 étudiants, on a dit, à peu près 5 000 personnes, ça veut dire élargir sa vue à des champs extrêmement variés, à des natures de problèmes extrêmement variées, et ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend par ce type d'exercice de responsabilité première. Et c'est l'un des rôles de cette conférence de développement durable, c'est aussi de faire monter une génération de gens vers ce type de responsabilité. Voilà à quoi ça sert. Il y a plein d'autres chantiers en cours, comme vous l'imaginez. Je vous remercie. Merci Arnaud. Juste un mot pour vous dire sur ce sujet du gouvernement ouvert. Un des enjeux, évidemment, c'est aussi ce qu'on appelle l'open data, les données ouvertes. On y travaille, hein. On a déjà rendu accessibles toutes les données de pilotage en interne à l'ensemble de la communauté. On a encore, comme beaucoup d'universités en France, beaucoup de travail sur ce sujet-là. Pour conclure et ouvrir le temps d'échange, je veux juste insister sur la mise en œuvre de toutes ces actions qu'on vous a proposées en faveur d'une université ouverte, qu'on a partagées avec vous. Bon, vous avez compris, j'espère, qu'on est assez engagé sur le plan politique. En même temps, s'il suffisait de décréter qu'une université est une université ouverte pour que ça se fasse, ça se saurait. Donc on l'a vu, on a beaucoup à faire, on a des moyens à trouver, on a de la pédagogie à mener toujours et encore pour expliquer pourquoi, pour expliquer quels sont les leviers, quels sont pour lever les craintes, pour répondre aux interrogations. Et à ce titre, on est aussi très demandeur de profiter de vos expériences, de savoir vous, quelles difficultés vous avez rencontrées, comment vous les surmontez. Bref, pour continuer, on a aussi besoin de vous. Et donc on espère bien en profiter lors de ce temps d'échange. En tout cas, merci pour votre attention. Questions? Merci beaucoup. Have a question? You got a question? Students got a question. Okay. Allô? Ok, merci beaucoup, madame et toute l'équipe pour vos présentations. Et je vous félicite pour tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous continuez à faire. Et on a tous besoin des uns des autres, je veux dire, parce que votre expérience est aussi très inspirante. Mais j'ai une question un peu d'ordre procédural, de détail, concernant les archives HAL. Parce que moi-même, j'ai fait des travaux avec quelques instances francophones, telle que l'AUF, où j'ai dû publier ce que je faisais sur les archivales. Mais je prends un autre exemple où, par exemple, j'ai un article scientifique publié dans Information Systems Quarterly ou whatever, et ce que j'ai quand même, il y a des exigences de publication avec ces éditeurs-là, et que les articles ne sont pas nécessairement ouverts. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on aurait la loi française, est-ce qu'on oblige à publier cela sur les archives HAL, ou c'est uniquement ce qui a été publié au sein des équipes de recherche universitaire? Merci beaucoup. Alors, la loi française, évidemment, elle s'applique pas au monde entier. Et donc, oui, effectivement, tout dépend de chaque situation. Quand la loi française s'applique, ce qu'elle permet, c'est que l'auteur peut décider de déposer, de mettre en ligne accessible gratuitement, pas forcément sur HAL, peu importe. Ça peut être aussi publié directement dans une revue en accès ouvert, évidemment. Ça peut être mettre en ligne autrement. Nous, à l'université, à Nantes Université, on a fait le choix de l'archive ouverte nationale, publique, parce qu'il y a aussi un enjeu dans les archives ouvertes de l'usage des données qui sont faites. Vous savez qu'il y a les archives ouvertes, puis il y a les réseaux sociaux scientifiques. C'est évidemment pas la même chose. Donc après, là, sur la dimension internationale, on va rentrer dans des questions techniques, mais tout dépend de la loi applicable, en fait, et donc du contrat que vous avez signé. Donc désolée, je ne peux pas être beaucoup plus précise que ça, mais en principe, c'est le contrat qui précise la loi applicable, et c'est ça qui vous détermine ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Je vous en prie. Alors, bonjour. Déjà, merci beaucoup d'avoir présenté cet aspect du coup de l'éducation ouverte, l'aspect vraiment plutôt, comment dire, mais grande instance plutôt que personnelle.
J'ai trouvé ça très intéressant d'abord. Et ensuite, j'aimerais revenir sur un point que vous avez énoncé. C'était sur la partie, vous aviez dit que vous vouliez ouvrir les cours à tout le monde, au plus de monde possible. Et vous aviez dit que pour certains cours, ça n'était pas possible. Et déjà, j'aimerais savoir pourquoi. Et ensuite, savoir, enfin, le problème, c'est que si on ferme encore certains cours, on ne sera pas dans une éducation ouverte totale. Donc j'aimerais savoir si vous avez des solutions à apporter à cela. Oui, merci pour votre question. Bon, on est en France dans un rapport en fait avec nos collègues ou entre nous, enseignants-chercheurs, qui ne nous permet pas ou ne nous permettra pas non plus d'imposer de façon autoritaire ce dépôt et de le systématiser. Pour autant, on arrivera avec force de conviction et les étudiants nous y aideront. On a bien entendu la parole des étudiants puisqu'on a débattu avec eux et dans le cadre très formel d'une instance qui s'appelle notre conseil académique, qui nous ont relayé cette volonté en effet d'avoir accès au maximum de ressources. Donc ça, c'est notre intention et on va la partager et on est convaincu qu'avec le temps, très peu d'enseignants, d'anciens chercheurs se passeront ou volontairement éviteront de partager ces ressources le plus largement possible. Après, ce que je mentionnais juste, c'est qu'en effet, sur une plateforme telle que notre plateforme Moodle, qui s'appelle MADOC, ici à Nantes Université, on ne va pas pouvoir tout mettre, tout n'est pas ressources pédagogiques. En fait, il y a des évaluations, par exemple, qui peuvent se passer par la plateforme, où il peut y avoir quelques éléments confidentiel ou en tous les cas qu'on souhaite garder exclusif pour un groupe d'étudiants, voilà tout. Mais en tout cas, notre intention politiquement, elle est claire et nette, c'est d'ouvrir au maximum et aussi ouvrir à tous les personnels. J'aime bien cet exemple, c'est qu'un informaticien qui est en activité depuis 25 ans, on souhaite qu'il puisse aller voir aujourd'hui comment on enseigne l'informatique dans nos licences professionnelles ou nos bachelors universitaires de technologie. Voilà, que tout le monde puisse s'emparer du maximum de ressources. Merci. If you don't mind, my French is very poor. ¿Puedo hablar español o puedo hablar inglés? ¿Qué prefieren? Inglés? Okay. Thank you very much. I think you are an example to many universities, and I congratulate you for all these wonderful efforts. I have a question that I am not sure if it has been answered already. I think you talked a little bit about it, but I'm very interested in your reflections here. I saw in one of the slides that you use Moodle for your learning environment, and then you had a concentric circle wider for sharing with the public. And when I think about Moodle or other learning environments, typically there are very well structured learning journeys, very well contextualized learning resources and experiences. Yet, when you come out to a different repository, you need to learners to make sense of what has been shared from the Moodle into the wider. And also, obviously, this is not just a technical or pedagogical question, it's also a philosophical question. What's the relationship for you between what you have indoors in your modules in Moodle just for your students and what comes out to the general public? What's the philosophy behind it and the technicalities as well, if you could illustrate? Thank you. Merci pour votre question très technique. On a dans la salle notre vice-président en charge du numérique responsable et de ces questions-là, mais qui pourrait compléter sûrement si je ne suis pas assez précis. Mais notre problématique et notre premier enjeu technologique aujourd'hui, c'est qu'on a en effet des plateformes Moodle, ne serait-ce qu'au sein de notre établissement, Nantes Université, qui ne sont pas interopérables, qui ne sont pas connectées. On a des établissements composantes, nos écoles, qui aujourd'hui sont on a plusieurs plateformes. Et déjà, il faut qu'on arrive à lever cette difficulté et résoudre ce problème pour rendre, en effet, tous nos dispositifs interopérables qui communiquent. Donc,
Ensuite, en effet, on travaille sur cette question au sein d'UNIWEL, l'Université européenne, parce que le but et l'objectif, c'est de trouver une solution, un moyen pour mettre en connexion en fait, nos plateformes également. Après, on a cette problématique, mais qui sort en effet d'une problématique de Moodle interopérable, que de mettre à disposition des ressources ouvertes et au monde entier. Là, on est pareil avec, enfin, au sein d'UNIWEL en phase d'étude sur le système le plus approprié. Mais là, on est, enfin, j'écoute depuis lundi des retours d'expérience. Voilà, et on va évidemment s'inspirer de ce qui se fait déjà, parce que beaucoup de choses se font déjà, et s'emparer des technologies nécessaires pour pouvoir ouvrir et communiquer. Bien sûr, le monde entier n'aura pas accès à tout ce que l'on produit, à un état, à un niveau de production qui est pour nous, comme pour vous, pas encore l'ouverture et la ressource éducative libre, comme on en parle ici entre nous depuis lundi. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question qui allait un peu dans le sens de celle qui vient d'être posée sur comment vous pensez l'articulation, parce qu'un des problèmes de la DREL, c'est quand même la question de la visibilité à une échelle plus nationale, voire internationale, pour éviter de démultiplier les entrepôts, les lieux où elles se trouvent. Bon, vous avez parlé des partenariats que vous avez avec les universités numériques thématiques notamment. Bon, l'université numérique vient de lancer son Moodle. Comment vous pensez cette articulation, est-ce que vous allez vous intégrer dans des choses déjà existantes ou est-ce que vous allez développer votre propre plateforme en sachant que si toutes les universités font la même chose, à un moment donné, ça ne va pas aller dans le bon sens, de mon point de vue. Complètement d'accord avec vous et je ne veux pas vous apporter une solution ou partager notre décision. On n'a pas pris de décision pour encore, on n'a pas pris non plus de décision au sein d'UNIWEL. Mais là, depuis lundi, j'ai des discussions avec nos amis aussi de Louvain, qui sont dans le cadre de l'Université européenne Circle, qui se posent aussi ces questions. Et on discutait l'autre jour avec d'autres collègues ici de comment rendre justement, essayer de faire œuvre commune pour trouver peut-être une façon de mutualiser et d'arriver à quelque chose d'unique. Il faut qu'en effet qu'on prenne position et décision. C'est pas le cas encore. On n'en est pas là. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation très inspirante. Je suis d'une université du Sud, de l'université de Sousse en Tunisie. Lilia Chiniti, coordinatrice de l'unité e-learning et pédagogie innovante. Et mon souci, le souci de mon université, et je pense que c'est le souci aussi de plusieurs universités de la région du Maghreb, c'est le ranking et l'accréditation de nos diplômes. Et je me pose la question, le président de l'université, toutes les structures, veulent toujours articuler tout ce qu'on entame avec ces deux objectifs, l'accréditation et le ranking. Et donc, est-ce que le Open pourrait soutenir ces deux objectifs? Et si c'est le cas, si vous avez pris en considération ces deux objectifs, comment vous avez pu en fait l'implémenter réellement? Voilà, merci beaucoup. Alors, je laisserai Arnaud réagir sur les enjeux sur l'accréditation, sur les classements. Donc, vous parlez des classements internationaux, c'est bien ça. En fait, c'est une réflexion qu'on engage tout juste. De se dire que ça n'a jamais été notre boussole. On va être très clair, les classements internationaux ne sont pas notre boussole. Globalement, les critères qui sont utilisés ne correspondent pas vraiment à ce qu'on porte, à ce qu'on a envie de faire. Donc, ils existent, on ne va pas les ignorer, mais c'est pas ça qui guide en fait notre politique. Et par ailleurs, il y a une réflexion, puis vous savez, ils sont de plus en plus discutés, contestés, et ça, c'est une réflexion que nous, on est en train tout juste d'ouvrir, donc pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais de se dire finalement quel est le bon outil de mesure de notre activité. Je ne pense pas que ce soit les classements, pour dire tout de suite. Est-ce que c'est les objectifs de développement durable? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est notre impact sur la société? Mais en fait, d'avoir des indicateurs, une boussole en quelque sorte, qui fasse sens
par rapport à ce qu'on porte pour l'établissement, par rapport aux missions de l'université. Et pour être très clair, ce n'est pas le rôle des rankings internationaux. Voilà, donc on ne s'appuie pas là-dessus, très clairement. Sur le côté accréditation ? Bah, sur le côté accréditation, j'ai envie de dire, vous êtes sur un modèle, enfin, notre pays est sur un autre modèle. Nous, en tout cas, pour notre établissement, ça se passe bien depuis plusieurs accréditations. Et ça se passe bien parce que, alors c'est très long comme processus. Hein. Grosso modo, il dure 4 ans. Voyez, donc on va être accrédité. La ministre doit signer ses arrêtés d'accréditation pour notre établissement dans les jours qui viennent pour débuter une nouvelle accréditation à partir de septembre 2022. Et ça fait 4 ans qu'on y est dans le processus. Il est très long, coûteux, mais il se passe plutôt bien et en deux phases. Une phase d'évaluation par un haut conseil chargé de cela, qui est indépendant, et avec qui aussi ce sont nos collègues, finalement. Nous-mêmes pouvons participer à ces comités d'évaluation. Et en effet, on est évalué, donc jugé, apprécié. Mais on peut discuter, on peut échanger, on peut y revenir, on peut dialoguer, quoi. Et puis, on a un deuxième, évidemment, niveau, puisque le niveau de la décision, il se tient au sein de notre ministère. Et avec la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'innovation et de l'insertion professionnelle, on peut dialoguer. Et je ne le dis pas parce que est présent le conseiller de la directrice générale dans la salle, mais en effet, on peut dialoguer, on arrive à dialoguer et au final à trouver des solutions et on y parvient en modifiant nos projets quand c'est nécessaire, en les différant. Bref, donc non, je trouve que le processus, il est très long, mais aussi sa durée permet bien de maturer, en fait, notre projet. Moi, je vois, je suis en fonction que depuis 2 ans et je suis très activement ce processus parce qu'on est rentré à partir de 2020 dans vraiment le processus de réflexion vers notre future accréditation. Et tous ces échanges-là ont permis, sur des formations sur lesquelles on pouvait encore s'interroger, d'arriver à une décision finale qui est la plus équilibrée possible. Voilà. Et le fait de s'engager dans l'éducation ouverte, pour faire le lien, n'est pas un obstacle à l'accréditation, parce que je pense qu'il y avait ça dans votre question. Évidemment, évidemment, et heureusement. Ok, merci. Je suis Thomas Mbois. Je suis Thomas Mbois, enseignant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication au Cameroun. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, d'autant plus que vous êtes sorti, vous avez ressorti toutes les dimensions de l'Open, au-delà de l'Open Education. Ça a été très intéressant. J'ai également apprécié votre stratégie d'ouverture des ressources éducatives libres, allant du local pour tous les étudiants et puis au monde entier. Toutefois, je suis quand même curieux de connaître votre stratégie d'ouverture dans le sens inverse, c'est-à-dire parce que l'ouverture, ce n'est pas seulement vers les autres, mais l'ouverture aussi, c'est d'accepter ce qui vient d'ailleurs, notamment si moi, au Cameroun, je produis des ressources éducatives libres. Jusqu'à quel niveau êtes-vous prêt à utiliser cela dans vos universités, étant donné que vous n'avez pas que des étudiants français, vous avez beaucoup d'Africains et vous travaillez sur des thématiques africaines aussi. Merci. Merci pour votre question. Alors oui, en effet, je vais développer, mais commencer par un exemple. On est ouvert et évidemment aussi dans ce sens, puisque on souhaite participer et participer veut dire bénéficier aussi, partager, mais aussi recevoir et contribuer. Je prends juste un exemple, mais que j'ai évoqué dans l'exposé. Colin de la Higuera collabore avec des collègues de l'université Mohamed 5 ou 6, Rabat au Maroc, pour travailler donc et à créer des modules de formation. On se les approprie et on va continuer à se les approprier de façon à former aussi nos enseignants. Mais dans le domaine de l'utilisation des ressources éducatives libres,
évidemment, l'idée est de s'approprier, de mobiliser et d'inviter, de préparer, former, sensibiliser nos collègues à s'approprier ces ressources pour concevoir leur propre enseignement dès lors qu'elles sont modifiables et pouvoir transmettre sur la base de ce que la communauté mondiale d'enseignants, anciens chercheurs peut porter, enfin, peut partager comme ressources. Très bien. Well, thank you very much. Merci. Je crois qu'on va arrêter parce que sinon on prend trop de retard sur le programme. Merci beaucoup. Et puis voilà, je vous propose un café. Merci beaucoup.